m'endurer à l'heure des grands travaux. Un goudron flambant neuf, des entrepreneurs à l'œuvre, des ouvriers à la tâche, des trottoirs en construction, des finitions bientôt visibles. C'est le quotidien de m'endurer depuis plusieurs mois. Un goudron flambant neuf. Un goudron qui attire des regards, qui facilite la circulation. C'est l'œuvre de l'entreprise Ebomaf. Une entreprise engagée dans la construction des infrastructures routières. Et à Mandouri, c'est aussi la même entreprise qui travaille depuis un certain moment. D'après Mandouri, plus de 105 km, un goudron qui permet aux usagers de se déplacer librement, tranquillement et en toute sécurité. En ce mois de septembre, Mandouri accueille son premier goudron neuf qui va jusqu'à la frontière avec le Bénin. Un goudron qui se laisse admirer. Pour les populations, c'est un soulagement. Sur le goudron, on y rencontre des ponts joliment bâtis avec de l'art sur des fleuves. De part et d'autre du goudron et du pont, des pêcheurs, des nageurs, mais aussi des curieux qui viennent admirer ces chefs-d'œuvre humains. Aux rives de ce goudron, on contemple la nature. Et les ouvriers toujours à l'œuvre. Rien n'est encore terminé. Mais l'essentiel est déjà fait. La population se déplace. Les marchandises quittent le Bénin pour venir à Mandouri, mais aussi aller à Koumbé. Une œuvre du gouvernement togolais, disent les populations qui ont longtemps espéré le désenclavement de leur localité. Pour certains, il a fallu la situation sécuritaire, marquée par l'incursion des groupes armés extrémistes dans cette partie du Togo, ce qui aurait poussé le gouvernement togolais à intensifier le processus de désenclavement de cette localité du nord du Togo. Quoi qu'il en soit, l'essentiel est fait. Désormais, Mandouri abrite son goudron à lui. Une route bitumée qui attire les regards, mais aussi des ponts. Joliment bâti. Ici marque la frontière entre le Togo et le Bénin. Cette arbre sert de point frontalier. Et le goudron s'arrête. Ici, c'est la frontière. Cette route bitumée qui commence de Dapon, qui est à la frontière entre le Togo et le Bénin, est un chef-d'œuvre.